Elisabeth II s'est rendue chaque jour, du mardi 18 au samedi 22 juin, au Royal Ascot 2019, la course hippique la plus prestigieuse de Grande-Bretagne. Retour sur ses looks acidulés. Pour assister aux courses de chevaux du Royal Ascot 2019, la reine Elisabeth II a misé sur des looks hauts en couleur. Dès le mardi 18 juin dernier, pour le lancement de l'événement hippique, la monarque était présente, entourée d'autres membres de la famille royale britannique tels que son petit-fils, le prince William, Kate Middleton, la reine Maxima des Pays-Bas, ainsi que le prince Charles et Camilla Parker Bowles. Vêtue d'une magnifique tenue bleu pastel, assortie à la robe Elisabeth de la duchesse de Cambridge, Sa Majesté a fait son entrée installée sur l'hippodrome d'Ascot, au sud-ouest de Londres, à bord d'une calèche. Le jour suivant, la reine d'Angleterre a opté pour un vêtement mauve, tout comme son chapeau orné de fleurs de différentes nuances de violet. Le sourire aux lèvres, assise dans un landau du cortège de la royauté avec le vicomte Brookborough, le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles. Puis, le jeudi 20 juin, la reine Elisabeth II était vêtue de couleurs plus sobres, un long manteau gris brodé de motifs jaunes, pour assister au Ladies' Day des courses de chevaux. Le lendemain, la grand-mère du prince William et du prince Harry rayonnait de beauté, parée d'une robe blanche à fleurs, enfilée sous un long manteau rose vif, assorti à son couvre-chef. Sur sa veste était accrochée une broche blanche, l'un des accessoires favoris de la chef du Commonwealth. Le Royal Ascot 2019 s'est clôturé le samedi 22 juin. Pour terminer cette saison en beauté, la reine Elisabeth II a, une nouvelle fois, choisi une tenue colorée, son look vert pastel lui allait ravir.